Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une stratégie infaillible pour réussir à vendre, que ce soit sur Internet, que ce soit n'importe où, c'est infaillible. C'est d'ailleurs en ne respectant pas cette stratégie que la plupart des gens échouent. Alors je vais te la donner cette stratégie et là tu vas me dire c'est con et tu vas vouloir certainement me foutre un petit pouce en bas et je m'en fous royalement. Cette stratégie c'est, attention, roulement de tambour, la connerie. Non, c'est pas la connerie, c'est la persistance. Qu'est-ce que j'entends par la persistance? Alors oui, c'est sûr que le mec qui abandonne, ils vont jamais réussir à faire quoi que ce soit. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la persistance, c'est le fait de revenir à la charge. Alors moi, la manière dont je crée du contenu, c'est de créer du contenu tous les jours. Alors je te dis pas de créer du contenu vidéo, du contenu audio, du contenu du podcast, etc. Tu fais le truc avec lequel tu es le plus confortable. Mais pourquoi est-ce qu'on va le faire tous les jours? Parce que le fait de revenir tous les jours, on va un peu revenir à la charge, entre guillemets. Pourquoi est-ce qu'on va revenir à la charge? Parce que peut-être que la personne a vu notre vidéo de présentation, était sur le point d'acheter et que elle s'est dit « Ah ben non, je peux pas acheter tout de suite parce qu'il faut que j'aille chercher les enfants à l'école. » Donc voilà, elle a fermé l'ordinateur, elle s'est dit « Je vais le faire en revenant à la maison. » Et en revenant à la maison, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était prise par d'autres activités et du coup, a complètement oublié. Ou alors, tout simplement, la personne n'a pas acheté parce qu'elle n'a pas confiance. Donc, si elle n'a pas confiance, le fait de revenir comme ça tous les jours, donc dans la boîte, j'ai répété encore une fois, quand je dis contenu, c'est pas forcément email, c'est pas article de blog, c'est pas, tu choisis le média que tu veux, mais le fait que cette personne-là va te voir tous les jours, au bout d'un moment, elle va commencer à avoir confiance en toi. Et donc, une fois qu'elle a confiance en toi, elle va finir par acheter. Ensuite, elle se dit, j'ai pas forcément les moyens d'acheter maintenant, mais je vais acheter plus tard. Donc, si tu ne fais qu'un contenu et tu te dis, voilà, la personne va acheter, que tu t'arrêtes là, voilà, tu perds des ventes. Pourquoi? Parce que cette période-là, ce moment donné, la personne n'avait pas les finances suffisantes pour le faire. Maintenant, le fait de revenir tous les jours à la charge, eh bien, la personne se dit « Ah oui, c'est vrai, ça m'intéresse. Ah oui, j'ai l'argent pour le faire. Ah oui, je vais le faire maintenant. » Tout simplement. Ça peut être quoi? Ça peut être le bébé qui crie ou le café qui s'est renversé sur le clavier ou n'importe quoi. Ça peut être n'importe quelle chose qui fait que si tu ne reviens à la charge qu'une seule fois, tu te prives de beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes. Est-ce que, je vais te poser une question, est-ce que toi, quand tu achètes sur Internet, dans la majorité des cas, est-ce que tu achètes de suite? Il y a des fortes chances que la réponse soit non. Pourquoi? Parce que tu vas vouloir faire peut-être des recherches là-dessus. Tu vas vouloir creuser le pour et le contre. Tu vas vouloir rechercher des informations sur la personne. Tu vas vouloir donc créer une connexion avec cette personne-là. Le fait que cette personne-là va partager des choses avec toi et le fait qu'elle ait partagé cette chose-là, tu vas te dire « Ah bah tiens, moi aussi c'est comme ça. » Donc, on est connecté d'une certaine manière, donc j'ai bien envie de lui acheter cette chose-là. Donc, la persistance, mais la persistance par le fait de revenir au quotidien avec ton contenu. C'est vraiment important. Ça, c'est ce qui va faire la différence avec les autres qui ne réussissent pas sur Internet et toi qui vas réussir sur Internet. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, la création de contenu que tu vas faire, ça va te faire des ventes. Maintenant, si tu veux optimiser ces ventes, il y a un certain type de contenu à créer. Il y a une espèce de banc de poissons. Là, c'est dommage que je ne peux pas retourner la caméra parce qu'elle est accrochée. Mais on a vu des baleines l'autre jour. C'était magnifique. Donc, ton contenu normal va te permettre de vendre. Maintenant, il y a une manière précise de créer du contenu qui déjà va te permettre de créer ton contenu en moins de temps que tu n'aurais jamais imaginé. Mais également, ton contenu, tu vas prendre plaisir à le faire et ton contenu va te permettre d'augmenter tes ventes. Donc, comment faire? Il y a deux solutions. Soit tu cliques sur le bouton qui est en haut ici ou le bouton qui est en bas. Ça t'emmène donc sur une autre page de mon site. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer directement sur le petit i qui est là ou le premier lien qui est dans la description. Je te ramène vers une deuxième vidéo 100% gratuite que je te conseille de regarder tout de suite si tu veux faire des revenus sur Internet.